Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous présenter monsieur Alex Rive, mon invité, donc nouveau érudien. Alors Alex, est-ce que tu peux te présenter en deux mots ? Bonjour, je m'appelle Alex Rive, je suis expert en communication non-verbale et en détection de mensonges. Alors, détection de mensonges, c'est un peu le truc qu'on a pu voir parfois à la télévision. Exactement, c'est exactement comme la série Lie to Me. Je suis là pour observer les gens et détecter les mensonges, savoir s'ils mentent ou pas. Donc toi, tu as une formation là-dessus. Alors, on précise, hein, on se connaît depuis longtemps avec Alex. Tu es à la base aussi un illusionniste, un magicien. Voilà, j'ai fait pendant plus de 17 ans, 18 ans, une carrière de magicien. Et en tant que magicien, je me suis intéressé aux mensonges. Et j'ai commencé à apercevoir des choses qui revenaient régulièrement. C'est ça. Parce que les magiciens, on est habitué quand même à observer, à mettre en place des mouvements qui vont tromper quand même le public. Donc, étant aussi des bons menteurs, on est capable de... Voilà, en étant des bons menteurs, on est capable de découvrir les mensonges des autres. C'est ça. Du coup, je me suis intéressé de plus en plus à tout ce qui était le mensonge, comment le détecter. J'ai suivi des formations auprès d'agents du FBI, de psychologues reconnus, de formateurs reconnus. Et puis voilà. Parce que toi, tu as fait un séjour aux États-Unis. Voilà, j'ai vécu longtemps aux États-Unis, voilà. J'ai vécu à New York aussi pendant 3 ans. Ok, tout simplement. Donc, on va parler rapidement de ce que tu fais sur Internet, du coup, parce que tu fais effectivement de la formation présentielle, voilà. De la conférence. Des conférences, des formations, du coaching. Voilà, tu écris des bouquins, des articles, voilà. Etc. Tu es aussi romancier. Je suis aussi romancier, oui, j'écris des thrillers où j'utilise ce que je sais dans mes livres. Parfait. Et on va passer sur ton site, si tu veux, on va regarder un petit peu sur ton site. Alors, tu as donc déjà pour commencer un e-book à télécharger. Tout à fait. Donc c'est un e-book qui vous donne la base pour apprendre à détecter les mensonges, donc que ce soit les signes non-verbaux, les signes verbaux, les principaux signes que l'on peut trouver dans la détection de mensonges et comment faire de la détection de mensonges. Donc tu as un billet de blog, donc des billets de blog qui sont là. Donc tu avais déjà commencé à écrire en amont sur quoi? C'était sur WordPress, je crois. Oui, c'est ça, sur WordPress. Donc tu as importé tes billets WordPress sur Zerudy. Voilà. Donc il y a déjà quand même pas mal de contenu. Je n'ai pas compté le nombre d'articles, mais tu en as quelques-uns, t'as une vingtaine, je crois. Oui, ça doit être ça. Et là, j'essaie de sortir à peu près un article une semaine et demie, toutes les deux D'accord, semaines. D'accord, donc tu sors ton contenu et tu as aussi une formation. Voilà. En ligne. Donc là, c'est vraiment une formation complète pour apprendre la détection de A à Z. Donc savoir comment établir un comportement de référence, comment l'utiliser, quelles sont les micro-expressions qui peuvent nous être utiles, tous les signes non-verbaux, les signes verbaux, et avec plein d'exemples pris dans la vie réelle. D'accord. Donc tout ça, c'est quoi? C'est en format vidéo, PDF? Ce sont des vidéos, principalement. Ce sont des vidéos assez courtes, et avec plein d'exemples en photo, en vidéo, de personnages célèbres qui sont en train de mentir. Et que je décortique et que j'explique pourquoi ils mentent et qu'on le voit qu'ils mentent. Donc ça s'apprend. Voilà. D'accord, pour dire qu'on peut apprendre donc à mieux observer les gens pour la détection du mensonge. En général, les gens ont, dans les études, on montre qu'ils ont une chance sur deux de savoir détecter. Spontanément, c'est une chance sur deux. C'est fou, quoi. Voilà. C'est comme s'ils lançaient une pièce. Ouais, ouais. Donc voilà. Moi, avec la formation, ils peuvent passer à détecter 80% des mensonges ou 90% des mensonges. Donc, c'est ça. C'est... Bien d'accord, c'est pas du 100%, mais ça donne des pistes, évidemment. Et... Non, parce qu'il y a toujours la possibilité de tomber sur un menteur qui est excellent, des comédiens ou qui ont été formés au mensonge, et c'est beaucoup plus difficile à détecter, évidemment. Oui, bien sûr. Voilà. Rapidement, comme ça, est-ce que tu peux nous raconter ce qu'a pu t'apporter Zerudy, parce que tu as fait le choix de Zerudy? Oui, Zerudy, c'est une plateforme qui, moi, m'a aidé énormément. Au niveau du site, c'est facile à gérer. Ouais. Ça permet d'avoir tout sur place, aussi bien ce qu'on fait en présentiel, mais aussi les formations en ligne. Et puis évidemment, tout ce qui est derrière, les conseils de Sylvain, de toi, tout ça sont très utiles. D'ailleurs, tu m'as raconté une petite anecdote marrante tout à l'heure, par rapport à... Oui, en fait, Vincent m'a aidé à rédiger la lettre de vente de la formation en ligne. Et on m'a demandé de faire un document pour vendre une conférence sur la détection de mensonges. J'ai utilisé la lettre de Vincent qu'il avait faite pour la formation en ligne que j'ai transformée pour ma conférence. Et j'ai eu la conférence grâce à ça. C'est-à-dire qu'on peut faire des ventes sur Zerudy de différentes façons, on est bien d'accord. Ne pas se limiter forcément au web, mais c'est transmédia. Et donc, tu en es justement une première preuve.
on peut vendre des formations ou des conférences à partir d'un site web, alors qu'à la base, c'était pour vendre de la formation en ligne. Voilà. Bien, merci Alex. Mais ben, merci donc, à toi. Si vous voulez profiter des conseils d'Alex, eh bien, vous allez sur son site, langagecorporel.fr, donc il y a l'adresse du site sous la vidéo. Et vous pouvez télécharger son petit e-book et puis pourquoi pas profiter de cette formation qui est super intéressante. Voilà, voilà, et qui est en promotion puisqu'on vient de la lancer, voilà, jusque la fin du mois. Ah, super, formidable. Fin du mois, le moment, enfin au moment où on tourne cette vidéo. Voilà. Merci à vous, à très bientôt.